We are going home to see my baby. Yeah, I'm going home to see my girl. Why don't you know she really loves me? Yeah, I'm going home to see my baby. Yeah, I'm going home to see my baby. Yeah, I'm going home to see my baby. On est dans le centre-ville des Volleybeurs, on est juste à côté de la mairie. On est installé depuis un an et demi, deux ans au mois de juillet. Et nous, notre souhait, c'est de faire des plats traditionnels, en plus de la pizza, qui est artisanale, puisque nous faisons tout nous-mêmes. Tout est fait maison. J'ai mon épouse qui est en cuisine avec moi. Et voilà. Donc on fabrique, on travaille énormément avec des produits locaux et du produit frais surtout. C'est la première soirée qu'on organise, il y a à peu près deux ans qu'on est installé. Et franchement, les Evaoniens sont là, l'orchestre est superbe. Et je remercie tout particulièrement votre chaîne d'être sur place pour l'événement. Et je remercie aussi le président de la Mécale et sa femme qui sont venus pour cette soirée. Ça nous fait très plaisir et je pense qu'on va renouveler plus souvent. On a un groupe Let's Go, donc ça met l'ambiance. De du rock, de rockabilly. Voilà, Rockabilly, c'est un groupe qui vient régulièrement jouer sur Evo, qui mérite d'être connu, le groupe Let's Go. Jean-Pierre est professeur de musique sur Evo, il fait partie de l'école de musique. Donc autant faire travailler des gens du coin. Oui, depuis un an, parce qu'on a coutume de faire la virada, et on s'est dit tiens, on va se faire une soirée rock'n'roll, rockabilly et Volleybeurs. Ça fait la continuité dans la journée. Ah, on va voir sur le rock et moto et aussi au Bayou. Et avec la musique, évidemment. Oui, mais ça, c'est chez nous, à Mousson. Oui, à moderne. Ouais, c'est vrai. On en fait tellement, je sais plus où on en est, moi. Et voilà, le repas a été fait, concocté avec des entrecôtes de chez le boucher qu'on connaît tous ici, Monsieur Debout. Donc c'est les agriculteurs, ça vient directement du coin aussi. On fait travailler le local et on travaille avec les gens des Vaux et on essaie de dynamiser un peu cette commune. Et là, je remercie aussi la mairie de nous avoir permis de barrer la route ce soir.